je crois, oui, je ne sais pas. L'orchestre est prêt. Ah, ça va être quelque chose de particulier, là. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Seulement, voilà, m'a mis le micro, il fallait pas. Être. Je vais mettre le micro là. Ici. Alors, je vais avoir le plaisir de vous diriger une œuvre de Brahms. Brahms, vous savez, était un musicien. Attendez. Parce que moi. Il y a problème ? Non, non, ça va, ça va, ça va. Vous n'entendez rien, ça va. Voilà. Alors, pour vous diriger cette œuvre de Brahms, j'ai fait des frais. Alors, je suis allé chez un des plus grands faiseurs de Paris. C'est un tailleur, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et je me suis payé une redingote, mais alors, comme ça. D'ailleurs, je vais la mettre tout de suite. Voilà, ma... permettez, chère madame. Attendez, je trouve pas la... Merci, vous êtes trop bonne à coulisses. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pas beau comme ça, hein? On dirait un pingouin. Alors, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il y a? Tu es pressé? Ah, excusez-moi, hein. Tu peux pas me faire un roulement vite pour... Parce que je vais vous expliquer. Voilà, mon ami Salah, qui est là, il est très pressé ce soir. Parce que imaginez-vous qu'il a une, il a une petite amie et il la voit une fois par an. Et c'est ce soir. Alors, nous allons faire ça très vite. Je vais vous mettre ma petite moustache. Je vais demander à mon ami Dédé de faire... Non, donne-moi l'autre moustache puisqu'il est tombé. Mais tu es nerveuse, ma petite. Non, non. Ah, non, tu n'es pas nerveuse. Ah, voilà. Voilà, ma chérie. Voilà. Ça va, je suis très bon. Vous y êtes ? Où est-ce qu'il est, s'il te plaît? Elle va brancher le micro, j'entends pas. C'est un métier, vous.
69 ans, non. Ça veut dire d'être là devant ses mecs, l'ensemble de tac. Et les gens, ils disent, oh, Salvador, il va se régaler. Bah, tu penses qu'on a 2 heures à courir, à faire le couillon, là-bas. Et puis eux, ils se parlent, les gars. Non, mais ça sert à rien, je vais vous expliquer. Alors, imaginez-vous que dans un hôtel à Paris, en ce moment, il y a un étranger. Il regarde la télé, il regarde la 2. Et qu'est-ce qu'il voit? Un mec habillé en habit. Et le mec, à chaque fois qu'il fait, il voit les mecs qui se marrent. Alors il se dit, les Français, ils sont zinzins. En plus, il doit se dire, putain, je regarde la 2e, il y a un comique. Je garde la 1ère, il y a encore un comique. Mais qu'est-ce qu'un comique en ce moment en France, hélas ? Alors le mec, quand il rentre chez lui, hein, il va voir sa femme et il dit, dis donc, j'ai vu un truc à Paris. Et il dit, qu'est-ce que t'as vu ? Il dit, j'étais assis dans la chambre, là, avec ma grande notion, je regarde la télé, disons, et je vois un mec, il faisait... Et les gens... Oh, 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 oh. Alors la femme a dit, répète un peu. Il dit, je te dis, j'étais dans ma chambre, en train de regarder la télé, et il y a un mec qui faisait... Et les gens... Oh, 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 oh. Alors, la bonne femme, inquiète, hop, elle fonce, elle téléphone au docteur, et dit, venez vite, il y a mon mari, ça va pas bien. Et le docteur, il arrive. Alors, ça a été à Paris? Oui, 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 oui. Et qu'est-ce que vous avez vu à Paris? Qu'est-ce que j'ai vu? Oh, je me dis, oh. J'ai vu un mec à la télévision, c'est comme ça. Et le mec dit non, il levait le bras comme ça, il faisait. Et ben, les mecs chez eux, ils faisaient. Alors le docteur, vous savez où il a fini ce mec-là? Chez les fous. Ils l'ont envoyé chez les fous seulement parce que moi, Riton Salvaduche, je faisais à la télévision le 21 janvier 1945. Et en plus, que je vais vous dire une bonne chose, Chancel, il a trouvé la combine. Alors ça, femme combine, c'est bon. Allô, Salvador? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas faire le grand échiquier? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et moi, je m'amène ma gueule enfarinée. Chancel, lui. Oh, oh, oh. Et moi, alors moi, je vais aller trouver une combine comme ça, moi. Parce que vous vous rendez compte, vous dites à un gars, venez à la maison, et puis il se tape la vaisselle. Et il est gonflé, j'en sais, je te dis. Puis alors, je vais vous dire une chose, hein. Tout ça pour 3 francs 50. Hein. Parce qu'en plus, je vous... Parce qu'il y en a un dans le coin du bois, là. Il se dit, tiens, ce soir, il y a Salvador à la télévision. C'est Balladur. Balladur, il va dire. Vous allez me prendre son blé, hein. À moi, Balladur. Pendant que moi, on gagnait 3 Français. Et Chancel, lui, c'est pour rien. Faut vraiment être... J'ai rien dit. Pour faire un truc. Hein?